Non, non, merci. Alors, on va changer de région. Après les années 50 dans le sud de la France, on va partir un petit peu visiter les pays celtiques, puisqu'on va jouer The Spirit of the Celt. C'est un morceau qui met à l'honneur la percussion, vous verrez, je vous les présenterai tout à l'heure. Et c'est un arrangement de Frank Bernertz. Voici donc The Spirit of the Celt. Thank you.
Merci. Et comme je vous l'avais annoncé, le pupitre des batteurs et percussionnistes, Morgane, Sylvain et Valentin. Vous pouvez les applaudir. Bien sûr, accompagné de tous les autres musiciens. Vous pouvez les applaudir, hein, parce qu'après ils vont arriver. Voilà, un petit peu de mise en place. On va continuer par un tango interprété par l'Orchestre Variation et accordéon solo Lydia. Le morceau s'appelle Libertango et il a été écrit, composé et joué par Astor Piazzolla. Voici donc Libertango. Un acteur de cinéma britannique né le 30 janvier 1951 à Londres.
Il débuta sa carrière très jeune en tant qu'acteur, enfant et modèle. En 1968-69, avec son ami et complice Ronnie Carrie, il forme un groupe appelé Hickory. En 1971, lorsqu'il rejoint le groupe Genesis, qui a eu sa période de succès, Phil Collins, en 1996, a annoncé qu'il quittait Genesis. En 1999, Collins collabore avec Mark Mancina et le célèbre Nicolas Faramina sur la bande originale du film de Walt Disney, Tarzan. Phil Collins chante en cinq langues certains titres de cette bande originale. Il reçoit un Oscar pour la chanson que nous allons vous interpréter qui s'appelle « You'll Be In My Heart ». Voici donc Phil Collins.
Thank you.
Si nous n'avons pas l'Oscar, on a eu au moins le plaisir de l'interpréter devant vous ce soir. Voilà. Et ce morceau, je voudrais saluer le pupitre des clarinettes qui était à l'honneur dans ce morceau. Les clarinettistes. Voilà, on change de dessin animé, puisqu'on part en Amérique latine, on va vous interpréter un medley des musiques de Carlos Santana. Ça s'appelle tout simplement Santana, et ça a été arrangé par Giacomo Gazzani. Voilà, Santana.
saxophone alto Jean-Régis Martignan. Voilà, pour terminer cette première partie, quoi de mieux qu'un bol de soupe? Ça y est, vous avez soupé. Voilà, on va finir la première partie par un morceau qui a été, qui est toujours la musique du film La soupe aux choux, qui a été enregistré par Raymond Lefebvre. Voici donc Louis de Funès, Jacques Villeray, atterrissant dans leur soucoupe. On écoute donc La soupe aux choux. Vous êtes d'accord ?
Oui, il y en a deux qui ont dit oui. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Oh, merci. Voici donc six démarches.
avec tous les petits extraits. Ça a été arrangé par Tom Rice et Mansell. Voici donc Aladdin.
Trompette solo, Justine Barry et Florian Solaniergue. Accompagné par les autres musiciens et musiciennes. Alors on va changer de registre, on va interpréter un morceau un petit peu plus jazzy que les autres. Il s'appelle « Who let the cat in ?» Ce qui veut dire « Qui fait entrer le chat ?» On en sait des choses, hein. Voici donc « Who let the cat in ?»
Mais ce nom est interprété à la trompette par Justine Barry, au saxophone alto Vincent Leir, clarinette Raphaël Jaffiol et sax ténor Mathieu Blouriot. Accompagné à la batterie par Valentin Odetto. On ne les voit pas, elles sont cachées. Elles sont au clavier, voilà, au synthétiseur, Marion et Amélie au piano. Et j'en profite, puisque je suis à la présentation, à la guitare basse Manon. J'essaie d'oublier personne parce qu'ils me font la gueule pendant 3 jours. Alors toujours dans les musiques de films, on adore ça. Ce sont des musiques de films où tous les personnages sont masqués. Qui est cet homme masqué? Vous allez entendre plusieurs œuvres dont les héros sont des personnages masqués. D'abord, l'ouverture de Guillaume Tell de Rossini, ensuite l'homme araignée, le fantôme de l'opéra et la légende de Zorro. Voici donc Who's That Masked Man? Ça a été écrit par Jay Bukuk. Thank you.
Merci. Je continue la présentation des musiciens. Je ne pourrais pas finir cette soirée sans avoir présenté les plus dissipés de l'orchestre, le pupitre des trombones, avec le chef Tristan. Lève ta main, Tristan, tu te vois. Sans non plus oublier au baryton Jean-Luc Humbert. Et pour terminer cette soirée, on va partir un petit peu en Amérique, au Far West. Vous allez entendre toutes les musiques, enfin une grande partie des musiques de films d'Ennio Morricone. Ça s'appelle « Moment for Morricone ». Alors si vous avez des chapeaux à plumes et des arcs, vous pouvez sortir, mais vous ne tirez pas dessus.
Merci. Merci. Alors, d'abord, on vous remercie, même si on va vous jouer un morceau de plus, d'être venus aussi nombreux, parce que avec à l'affiche, en concurrence déloyale, avec l'orchestre Variation, un France-Angleterre, j'avais peur qu'il n'y ait personne ce soir. Alors, merci. Merci d'être là. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié de l'enregistrer, mais bon. On va terminer avec un petit morceau qui s'appelle Showtime.
Thank you.
beaucoup. Merci. Encore une fois, merci à la municipalité de Saint-Germain de vous accueillir. Merci, merci à M. Dumas, à toutes les municipiens, toutes et tous les municipiens. Franchement, tout à l'heure, je disais, il y a du monde, c'est pas vrai, il n'y a pas du monde. Il devrait y avoir 500 personnes dans cette salle pour écouter une telle musique. Jamais, jamais je n'en dirai assez. Jamais.